Salut les amis, alors là vraiment je suis très content, super content, à cause du groupe Magic System. Ouais, vous connaissez bien cette chanson Magic in the Air. Ouais. Il faut reconnaître que cette chanson, hein, le clip a fait 10 millions de vues pendant le mondial. Et aussi 200 millions sur YouTube. Non, ça a félicité, bravo les gars, bravo les magiciens, non, vous travaillez bien, on va vous féliciter, oui. On va vous friser tous les mangeurs de qu'on appelle même des pâtés, des garba et consorts. Vraiment, ils sont contents, ils sont fiers de vous. Voilà. C'est pour juste titiller un peu les gens. Donc, je disais que bravo à Magic System pour vraiment avoir donné l'hymne qu'il fallait à l'équipe nationale de la France. Il faut dire que l'équipe de France a révélé, hein, cette année encore, cette chanson de façon mondiale. Oui, parce que même dans toute la Russie et dans tout le monde entier, on a entendu, on a vu que dans tous les stades, lorsque la France avait pris la coupe, c'était la totale. Cette chanson a commencé à retentir. Inimaginé, allez, non, vraiment bravo à vous, bravo à vous, bravo à vous, bravo à vous. Oui, même à l'arrivée, hein, de l'équipe de France, hein, dans le pays même, c'est Magic in the Air. Ce que je tenais à dire, c'est que à une émission de télé, la salle a dit comme ça que tout ce qui touche la France touchait aussi aux Ivoiriens. Ouais, ça c'est vrai. Parce que quand tu regardes l'équipe de la France, tu vois qu'elle est composée d'arc-en-ciel de couleurs. Je vais dire de différentes nationalités, c'est ce que je vais dire. Donc c'est vraiment important. Depuis 2016, Magic India accompagnait l'équipe de France. Et encore cette année en Russie, ça a été encore reconduit. Donc cette chanson est devenue très historique. Donc félicitations aux magiciens. Et retenons que l'équipe de France est à l'image de la cohésion et de la fraternité. Et je dirais encore plus, voici une chanson, Magic in the Air, qui fait l'unanimité maintenant. Oui, vraiment, félicitons les magiciens. Disons-leur bravo, parce qu'ils montrent que la musique ivoirienne va au-delà, 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 là où on n'espérait même pas la même langue. Magic in the Air fait encore des ravages. Bravo les magiciens. Bravo. Big up à vous. Et surtout, apportez-nous encore des 10 d'or, des 10 de platine. Merci à vous.